Et coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes créations scrap du moment. J'ai fait des petites créations, je ne vais pas comment le faire dans l'ordre. J'ai fait hier cette carte sur le thème tropical, il me restera juste un sentiment à rajouter. Voilà, j'avais envie de faire une carte tropicale. Voilà, je me suis dit ça change un petit peu. Voilà, alors l'autre jour, je vous avais montré, je crois, je sais plus si je vous l'avais montré, mais si je vous l'ai montré, c'était tout vide, ju avec juste les pochettes à l'intérieur. Là, je suis venue le décorer. Voilà. Donc, de base, c'était pour faire. C'est une base à mini-album format enveloppe. Dans le même style que celui-ci, mais celui-ci, je vous l'avais montré déjà. Donc voilà, je l'avais décoré, mais j'avais juste mis ça et ça. Donc ça, je vais vous le montrer. Voilà, c'est dans le même effet que ça. Mais sauf que c'est à pochette et c'est pour, par exemple, des échanges. Voilà. Donc là, du coup, je suis venue couper donc dans le papier rose comme ça une découpe de cette forme-ci. Dans la même forme de découpe, j'ai pris un pas, je l'ai fait la même en blanche, en dimension en dessous. Et je suis venue tamponner 100% original comme moi. Et je suis venue la mettre ici. J'ai rajouté une dentelle adhésive ici, une dentelle donc en rose, une dentelle adhésive en blanche. Ici, il y a un petit défaut ici parce que j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Ici, là, mais c'est pas grave. Je suis venue également mettre de la dentelle ici. Après, j'hésite encore. Je suis hésitante si je décore ici ou pas. Et je suis venue mettre également sur mes bandes ici une dentelle sur mes pochettes. Voilà. J'ai laissé l'intérieur en blanc, c'est voulu. Peut-être qu'après, à l'avenir, je viendrai décorer ici. Je verrai plus tard. Si je vous le montre dans une autre vidéo, c'est que je suis venue décorer. Sinon, si vous voyez que je ne vous le montre pas, c'est que je ne l'ai pas fait ou que je ne l'ai pas encore fait, mais que c'est en projet ou que je ne souhaite pas décorer. Donc là, je suis venue rajouter ici de la dentelle rose, la même dentelle que précédemment, et la dentelle comme ça, la même que la rose, donc la même que. Voilà. Presque la même parce que là, vous voyez que ici, c'est, on va dire, plus ou moins droit. Et là, c'est comme si c'était des vagues. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a une différence, mais c'est le même dans le même esprit. Voilà. Ici, je suis venue rajouter donc la même dentelle qu'ici. Et ici, je suis venue rajouter une blanche, donc la même qu'ici. Voilà. Il n'y a que sur les côtés que je ne suis pas venue mettre de dentelle. J'ai voulu laisser telle quelle. Voilà. Après, vu comme c'est pour moi, je viendrai faire la déco au fur et à mesure. Donc voilà. Ensuite, ça, je pense que je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc, j'ai également fait cette création sur le thème shabby vintage, sur le thème de la couture. Je me suis inspirée de la vidéo de Miss Miu Miu, donc Ludivine. Si tu passes par là, je te remercie énormément pour tes vidéos. C'est tout simplement du recyclage et ce qu'elle a utilisé pour faire et la pochette et le tag, elle a tout simplement utilisé. On les a tous chez nous obligatoirement. Voilà, c'est obligé. Donc, elle a utilisé ceci. Donc, c'est un rouleau de papier toilette. Vous pouvez aussi faire ceci dans un rouleau de sopalin aussi.
également. Voilà. Donc, c'était un tuto recyclage de rouleaux de papier toilette. Et du coup, voilà ce que je me suis amenée à faire. En ce moment, on va dire, je suis dans la période vintage, shabby, recyclage de papier toilette. Et par recyclage aussi. Donc, du coup, voilà. Et je suis très contente d'avoir suivi un de ses tutos parce qu'elle en a fait plusieurs. Et je pense qu'elle va en faire d'autres. Je l'espère en tout cas. Enfin, ceux qui m'inspirent le plus. Et c'est vrai que ce tuto-ci m'a inspirée et j'avais envie de faire quelque chose dans le thème vintage, vu comme en ce moment. Je fais pas mal de créations vintage. Enfin, pas mal. Vu comme je commence à faire quelques créations vintage et que je pense que je vais continuer un peu dans ma lancée sans pour autant abandonner ce genre de création. J'aime bien le vintage, j'aime bien le shabby, j'aime tout. Voilà, je touche un peu à tout dans le scrap et la carterie. Sauf le mixed media et le vintage genre steampunk, j'aime pas. J'aime pas le steampunk. Je trouve que c'est trop sophistiqué, trop. Il y en a qui aiment, hein, voilà. Il y en a qui aiment bien, mais moi j'aime pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.